Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le Cutest Elf de Rachel Mitz. Donc vous pouvez le retrouver soit sur le groupe de Rachel Mitz, soit sur Amazon, donc je vous mettrai les liens de toute façon si vous souhaitez vous l'acheter, parce que vous allez voir, il est juste magnifique, c'est du grayscale. Donc moi je l'ai en version PDF, mais vous pouvez l'avoir en version bien sûr broché, si vous le souhaitez. Donc on part à la découverte. Donc on tombe sur une première illustration, donc tout est en grayscale, il est juste magnifique. Les personnages sont juste superbes, mais que sur des elfes. Gros coup de cœur pour ce livre. Vous mettrez quelques-uns en couleur, bien sûr. Peut-être, on verra si je fais peut-être un tuto sur un à voir. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. On finira déjà le Mythomorphia. Ça peut être sympa, comment aborder un grayscale par exemple. J'adore cette idée, juste magnifique. Donc moi personnellement, je l'ai imprimé sur le papier que j'ai habitude, le Claire Alpha de chez Claire Fontaine en 160 grammes. Après, chacun choisit le papier qu'il souhaite, hein, bien sûr. Et vous pouvez l'avoir en format aussi broché de toute façon. Vous mettrez les liens en barre d'infos. J'adore aussi. C'est un des derniers sortis. Le petit lapin là, il est sympa celui-ci, même pour la période de Noël. Là, on retrouve la petite souris. Mettre l'arc-en-ciel là, ouais. On a pas mal de petits animaux dedans. Il est franchement magnifique celui-ci. En plus avec le grayscale, vous avez les ombrages ici pour les portraits et tout ça, donc ça facilite pas mal les choses pour les ombrages et tout ça. Et on arrive à la fin sur la petite dernière. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. C'était le Cutest Elf. Bon colo à tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous mets les liens si vous souhaitez vous l'offrir. Bye bye tout le monde.